Bonjour la famille Gilmas, chronique d'Inet TV. Salutations à tout le monde. Tous ceux qui me suivent, sans exception, vous êtes nombreux. Vous qui commentez sur les vidéos, vous qui faites les partages, vous qui likez la vidéo, en tout cas, vous êtes nombreux. Nombreux et nombreuses. Je vous aime beaucoup, je vous aime trop, je vous aime tellement, énormément. Je vais parler des titres que vous avez vus. C'est beaucoup à dire, mais je vais simplifier ça à quelques minutes. La femme qui fait de l'effiance sur les réseaux sociaux, Nana Boudouga, elle se croit déjà au sommet, pendant qu'il n'y a même pas un mois qu'on l'a chassée dans la maison, puisqu'elle n'a pas payé les frais de loyer. Une femme qui se dit qu'elle se promène pendant les vacances aux États-Unis, en France, pendant qu'elle a de les capacités de payer les frais de loyer. Tout ça, c'est pourquoi? C'est parce qu'ils sont dans les mafias. Elles sont là pour faire de mauvaises choses. On connaît les secrets qui fait que Nana Boudouga soit aux États-Unis aujourd'hui. C'est elle qui garde les nzungu, les biloko de Fally Ipupa aujourd'hui. On connaît déjà. On est autant déstabilisé puisqu'on connaît les secrets. On t'a déjà mis pour aller faire du mal à la femme de Fally Ipupa, la femme de Fally Ipupa. On le sait. Mais on est en train de dévoiler les vérités que beaucoup de gens ne comprennent pas. Mais tout d'abord, je veux saluer l'intelligence, la grandeur d'esprit de Keïna Ipupa, la fille chérie à Fally Ipupa, la fille de la dynastie, la fille qui incarne la valeur de l'unification, la fille qui incarne la valeur de la vraie vertu de la famille. Elle est en train de rassembler la famille. Elle voit son frère ici, elle poste. Elle voit ses sœurs, elle poste. Elle s'en fout de ce que les warriors disent. Malgré les insultes, la fille Keïna Ipupa, notre charmante Keïna Ipupa, elle est toujours au-dessus des insultes. Elle est toujours au-dessus de nos entendements. Chère petite, ma fille, nous savons qu'il y a les cybercriminalités dans notre communauté. C'est lui qui va s'engager à te déstabiliser. Dans tes engagements que tu es en train de faire, attaquer la rassembleur de la famille, il faut les signaler. Signaler tout homme, toute chienne qui taquine votre famille, qui crée la déstabilisation de votre famille, il faut les signaler. Et c'est à ce moment-là que vous aurez du respect. La fille ici, elle est en train de promouvoir la culture, la musique de son papa. Elle est là pour promouvoir l'unité de sa famille. Au lieu d'applaudir les actes, on passe toujours sur des futilités qui n'ont pas de sens. Il y a des femmes sans valeur sur les réseaux sociaux. Elles ont parlé de la fille ici, de la deuxième fille qu'elle a Ipupa. La fille qui ressemble à sa tante. La fille qui ressemble aux oncles paternels qui ressemblent à 90% à Fally Ipupa, Keïna Ipupa. Une femme, une fille qui se trémousse, qui est dans la joie, dans l'allégresse chaque jour. Mais il y a des petits esprits dans la communauté, des petits esprits qui veulent toujours parler négativement de la fille là. Pendant qu'elle jouit sa vie, il y a des démons, des féticheurs, des sorcières dans la communauté qui ne sont pas contentes. Surtout des femmes ne sont pas contentes. Mais Dieu est avec toi, Kélia. Dieu te protège, Dieu te connaît, Dieu a déjà mis sa main sur toi. Ce sont des vérités. Vous avez une maman qui a un grand cœur, une maman qui va au secours de la communauté.
Les gens sont jaloux de votre maman, Nikki Menga, puisqu'elle s'envole par-ci, par-là, sans compter aux efforts des autres. Elle se prend à charge et elle vit sa vie à gaieté, avec plein d'amour, plein de joie. Les sorcières de la communauté ne sont pas contentes. Entre autres, Bomolo, une vieille, une caracasse de dame, elle ne comprend même pas que la famille est sacrée. Des femmes comme Grace Mbizi, les sorcières comme Grace Mbizi, une femme qui est née le jour de la malédiction, de Marie-Laure, des femmes qui n'ont pas d'avenir, mais tellement que Dieu vous voit, vous regarde, Dieu a mis sa main sur vous, Keina, Dieu a mis sa main sur toi, Kélia, Dieu a mis sur, la main sur votre maman, Nikki Menga. C'est pour cela que vous sortez toujours des vainqueurs. Il y a longtemps qu'ils sont en train de vous chercher. Mais aujourd'hui, je suis fier de moi-même de voir que votre maman tient fort. Elle est tellement... Quand je la vois en train de sourire, en train de parler, elle me fait plaisir. Voir qu'une dame qui vient, c'est madame, qui vient dans les néants comme ça, et puis elle devient la figure publique de toute une communauté, sans passer par des insultes, sans insulter personne, sans dire de n'importe quoi. Mais aujourd'hui, quand vous voyez Nikki Menga sur sa page, quand vous allez vous chercher Nikki Menga Barcelone, c'est écrit figure publique automatique. Et puis, elle est en train vraiment d'orienter beaucoup de gens dans ce qu'elle est en train de faire. Quand elle a une association qui va au secours des plus démunis, ça, c'est une orientation automatique à tous ceux qui veulent aider. J'ai toujours appelé aux gens, j'ai toujours fait appel à ceux qui veulent vraiment aider les Congolais qui sont démunis, les enfants mal nourris en Afrique, les enfants qui ont besoin d'aide. Il y a des orphelines, il y a des orphelins, il y a des veuves. Quand Nikki Menga prend son temps, le prend le courage, le paix qu'il a, pour aller partager avec tout ce monde-là. J'ai toujours dit à ceux qui veulent s'initier à l'association Nikki Menga, de ne pas hésiter, de donner avec amour, de partager aussi la joie avec Nikki Menga. Quand vous voyez Nikki Menga avec ses affaires-là, mes chères mamans, vous qui aimez Nikki Menga, vous qui avez le courage de donner ne fût-ce qu'un euro, ça va vous faire du bien. Ça va vous faire tellement du bien. Un euro, il y a beaucoup de femmes qui sont ici en Occident, en Europe, au Canada, en Australie, aux États-Unis. Il y a les gens qui prennent du temps, ils ont de l'argent pour acheter de la bière, acheter, je sais pas, des cigarettes. Mais si vous enlevez dans votre bière, c'est ne fût-ce qu'un euro. Un euro, si vous êtes 50 mamans en Europe et en France, 50 en Belgique, 50 au Canada, 50 en Australie. Si vous êtes par exemple 1000 mamans qui veulent aider l'Afrique avec 1 euro seulement, vous avez votre 1 euro à l'association de Nikki Menga. Imaginez-vous donner 1000 dollars, 1000 femmes partout dans le monde et des papas aussi qui veulent aider. Vous donnez 1 euro, vous contribuez 1 euro à l'association de Nikki Menga. Ça fera plaisir au monde entier. Tous ces affaires-là, dès qu'ils mangent, quand ils disent que Dieu bénisse la main qui a contribué à ces repas, tout le monde, vous tous, vous êtes bénis à ce moment-là. Dieu vous voit, Dieu tend la main dans votre situation. À cause des petits gestes d'un héros, Dieu peut faire du miracle dans votre vie. Alors, moi j'ai toujours dit, aux gens qui ont de la bonne foi, pas les sorcières comme des Grace Mbizi, pas des sorcières comme de Chantal Bomolo, pas des sorcières, tous ces gens-là qui sont nés le jour de la malédiction, je ne parle pas des. Je parle des gens qui ont de la bonne foi, les gens qui ont une vision positive envers les enfants les plus démunis, les gens qui veulent voir les enfants, qui veulent voir les enfants aller à l'école. Je m'adresse à ces gens-là.
de contribuer ne fût-ce qu'un euro, comme je l'ai dit. Un euro, pas même deux. Si vous êtes 1000, je sais qu'en Europe, il y a plus de centaines de milliers de Congolais. Mais plus de 100 000 Congolais, par exemple, 100 000 Congolais, chaque Congolais donnait un euro pour aider l'association Nikimenga à œuvrer au Congo, à aider les affaires qui sont là, soit au VV, à donner du sourire à ces gens-là. Je vous assure que ça sera quelque chose de bien dans votre vie. Vous serez fiers de voir ces affaires-là sourire. Ça vous fera du bien. Ça, c'est un petit message. Quand je vois les gens comme Nana Boduga, qui ne sont pas contents des actions de Nikimenga, quand je vois des personnes et des personnes et des personnes mal intentionnées, mal éduquées, qui sont nées négativement dans ce monde, ils ne veulent pas voir les gens face des œuvres pareilles. Ça, ce sont des personnes maudites. Aujourd'hui, Nikimenga nous a montré, même sans argent, si on a la volonté, on peut toujours faire quelque chose. Aujourd'hui, la dame-là, elle a fait une initiative de créer l'association qui va aider les orphelins, les veuves, qui paye, par exemple, les frais scolaires aux enfants les plus démunis, aux orphelins en Afrique. Nous, les Congolais, au lieu de critiquer la dame-là, tenons-nous la main dans la main. Aidons la dame-là à concrétiser ses rêves. Ça s'est fait aux États-Unis, ça s'est fait au Canada, ça s'est fait en Europe, ça s'est fait en Amérique. Pourquoi pas nous, les Congolais ?